Bonjour à tous chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour le live sur Minecraft en survivanie en 1.18. Je vais vous mettre dans un petit instant l'écran, ça me fait plaisir en tout cas de vous retrouver directement en live aujourd'hui. Merci à tous en tout cas de ceux qui vont venir, j'ai laissé une petite vidéo justement sur la chaîne YouTube. Donc voilà, merci à vous pour ceux qui viennent, et puis on va lancer ça sans plus tarder, c'est parti! Et voilà les amis, salut à tous, bienvenue aujourd'hui, bienvenue sur ce live. Hop, allez, c'est parti. Voilà, on a tout lancé. Donc je tiens à préciser au début que forcément la rediffusion sera présente sur la chaîne YouTube. Donc pour ceux qui regardent la rediffusion, eh bien, bonjour à tous. Salut Edith, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format, pour une première, pour un tout premier live, on va dire officiel sur Twitch. J'avais déjà fait un live précédent sur Twitch justement. Qui était peut-être un petit peu différent, c'est-à-dire que c'était un live vraiment que j'avais fait uniquement pour tester. J'avais rien publié, j'avais rien. Quoi je peux vous dire, j'avais pas fait forcément de pub par rapport à ce live. Donc voilà, clairement aujourd'hui c'était vraiment un live test qui avait été fait. Salut mon dodo, bienvenue. Donc voilà, c'était vraiment clairement un live test en fait qui avait été fait. Et là aujourd'hui, voilà, c'est le premier live, on va dire, officiel, justement sur la chaîne Twitch que je lance avec vous. Et ça aura pour but tout simplement de. Bah voilà, comme j'ai dit justement dans la vidéo précédente, pour ceux qui l'ont regardé, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous invite à aller regarder immédiatement. Elle est toujours bien sûr disponible sur la chaîne. En gros, en fait, tout ce qui va être contenu que je faisais avant en vidéo, la survivanie en fait, va vraiment se passer en live uniquement. Et il y aura les rediffusions du live sur la chaîne YouTube. Donc en gros, pour ceux qui nous suivent uniquement sur YouTube, eh ben, il y aura tout simplement tous les épisodes, toutes les rediffs de dispo dessus, donc vous n'allez rien perdre en contenu, vous allez même en avoir un peu plus, étant donné que du moment que je serai sur la survie, je serai en live, parce que ça passera forcément par des moments de farm, par des moments de récupération de ressources, de modifications, des choses évidemment que je ne présentais pas toujours en vidéo, parce que c'était peut-être un peu moins adapté. Donc là maintenant, du moment que je serai sur la survie Vanilla, je vais clairement être en live. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas du coup à vous abonner à la chaîne Twitch. Bien sûr, vous pouvez vous créer un compte, c'est complètement gratuit. Ça coûte rien, c'est gratos, complètement gratos, les amis. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à vous créer un compte. Ça permettra toujours, bien sûr, du coup, de me soutenir, parce que forcément, jusqu'à aujourd'hui, j'étais en stream sur YouTube. Maintenant, je passe sur Twitch. Donc forcément, ça peut être, enfin, c'est différent forcément de tout ça. Donc voilà, vraiment, je compte sur vous. Je compte sur vous pour votre présence. Et puis, de toute façon, tous ceux qui étaient présents en live sur YouTube, ça ne changera rien. C'est juste que c'est en live sur Twitch maintenant. Donc vraiment, c'est exactement pareil. Seulement Twitch va être un petit peu plus adapté quand même sur le streaming. Donc voilà, vraiment, je compte sur vous pour être là, pour me soutenir avec votre présence. Et puis voilà. Je pense qu'en tout cas, j'aurais bien résumé le truc. Il y a déjà d'ailleurs deux modérateurs sur le chat qui sont deux très 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 très, très bons amis à moi justement en IRL. Donc pareil, ils seront là aussi également. Je vais pas dire sur la plupart des lives, mais enfin si sur la plupart des lives quand même, il y en aura un minimum un des deux, je pense. Sauf contre-indication, sauf contre-ordre bien sûr. Mais voilà, il y aura toujours vraiment un minimum un ou deux modos justement présents. Donc qui sont deux très très bons potes à moi. Donc d'ailleurs, de gros bisous à vous. Et voilà, moi qui seront vraiment là aussi pour animer le chat et puis pour modérer le chat tout simplement. Chose qui est plus facile à faire aussi également sur Twitch qu'à faire sur YouTube. Donc voilà, vraiment, c'est ça qui pourrait être sympa. Aujourd'hui en tout cas dans ce live, donc on a commencé à 17h, on va faire à peu près 1h, 1h30 de live et on se retrouvera sans doute peut-être en soirée, donc ce soir pour justement un stream sur un autre jeu avec justement mes deux modos, s'ils seront présents, on verra bien. Et puis voilà, comme ça vraiment, ce sera bien sympa. Aujourd'hui, du coup, dans cette heure de live, on va tout simplement commencer à faire de la décoration extérieure. Parce que là, on a vraiment du bon stuff. On a vraiment ce qu'il faut. On a fait l'Under Dragon. On est vraiment pas mal. On a ramené les élytres. Il nous faut clairement des décorations extérieures. Parce que là, j'ai besoin de me projeter un petit peu sur tout le reste. L'agencement, on va dire, de la base du domaine. Donc voilà, clairement, on va vraiment se retrouver aujourd'hui pour faire de la déco. On va commencer à ranger un petit peu nos coffres. Bien sûr, donc on va déposer voilà, dans le coffre-bloc tout simplement, donc tout ce qui va être dalles. Alors, on va avoir des dalles en grès, des dalles en sable. Je ne sais pas vraiment encore le sol, je le fais de quelle couleur, étant donné que avec les nouveaux blocs, je ne sais pas forcément ce qui pourrait être le mieux à faire. Donc pour l'instant, je vais essayer ça comme ça, mais ouais, clairement, je pense à mon avis, on va vraiment modifier ça juste après. Hop, je range juste vite fait mon inventaire. C'est bon, j'ai tout rangé. Juste ça et ça. Hop.
Et ça me paraît bien, ça me paraît bien, ça me paraît bien, ça me paraît bien. Hop, allez, go, on va aller se mettre en extérieur et puis on va tout simplement commencer à faire de la déco. On va remettre une table de craft dehors que j'ai pas mise. Non, normalement il y en a bien une. Ouais, hop, moi je vais la décaler, la réagencer près de nous. Hop, voilà, on va la poser là pour le moment. Et on va tout simplement se refaire un petit peu des dalles, des escaliers bien sûr aussi. Parce qu'en fait, là du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clairement. Donc en off, j'avais fait ça, je vous montre. J'avais fait un petit ponton juste ici. Donc ça, évidemment, je vais le décorer. Hein, c'est pas du tout fait, c'est juste en fait pour la plateforme, pour la base. J'ai tout coupé, en fait, j'ai tout cut correctement pour éviter que ça fasse un gros tas de merde, en fait, clairement, à l'extérieur de la maison. Donc là, je vais tout simplement faire descendre le ponton sur le long pour rattraper cette couche. Et puis pour faire du coup ben, un chemin vraiment qui va accéder, qui va nous permettre d'accéder au champ, enfin au champ, aux enclos, pardon, que je vais également remodifier. Et puis à la salle des coffres qui est là-bas qui va continuer à fonctionner bien sûr. Donc on va poser des escaliers en bois. Hop, pour vraiment descendre le tout. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Comment je vais pouvoir le faire? Ouais, pour que ça reste vraiment propre. Donc ce qu'on va faire, on va faire un escalier qui descend, une dalle, un escalier qui descend. Voilà. C'est cassé la gueule dans l'eau. On va faire ça comme ça. Yes, je suis vraiment nul là pour poser les blocs dans l'eau. Parfait. Ok, ça c'est nickel. Donc là du coup on va vraiment amener le tout juste ici. Bon, on va juste même redescendre de 1. Parfait. Nickel. Hop, ok. Et là du coup on va vraiment poser l'enclos, enfin l'enclos, pardon, la dalle juste ici pour faire vraiment le petit ponton. Alors toujours surélevé par rapport à l'eau, parce que quand c'est dedans c'est pas fou je trouve. Donc voilà, là clairement on va vraiment laisser ça comme ça. Je vais casser la table, la canne à sucre. Je vais casser la canne à sucre. Hop, on pose ça là. Et je pense que ce sera plutôt pas mal. Alors attendez, je vais quand même essayer de le descendre de 1 pour pas que ça fasse trop pour pas que ce soit trop nul en fait. Mais je sais pas trop ce que ça va donner. On va essayer. Ouais, ça peut, hein, on peut laisser ça comme ça. Hein. Non, 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 parce qu'on va faire clairement une décoration sur le ponton. Donc, enfin, on va le décorer ce ponton-là. Donc, non, clairement, ça va pas rester comme ça. On va vraiment casser ça. Hop. Voilà. Donc là, on va vraiment laisser une hauteur comme celle-ci. Parce qu'en fait, de toute façon, on va poser des bûches juste à côté, bien sûr, pour que ça fasse vraiment ponton. Donc ça, c'est pas mal. On va vraiment laisser ça sur une bonne partie, une bonne longueur. Pour le moment, tac, je vais refaire des dalles. En fait, on va essayer vraiment de faire tout le tour avec le ponton. Pour que ce soit vraiment assez entouré, en fait. Hop. Voilà. Parfait. Tac, tac. Ouais. J'arrive à faire de 1. Donc là, on va le décaler de 1, comme ça. Voilà, parfait. Nickel, hop, parfait, impeccable. Donc ça, voilà. Du coup, clairement, on va décaler ça juste ici. On va pouvoir le remettre de 1. Tranquille. Voilà, parfait, impeccable. Et là, du coup, vraiment, on tire de ce côté-là. On va juste s'arrêter vraiment sur la bordure. Hein. C'est pour dire qu'on aura vraiment amené le ponton de ce côté-là. Comme ça, on est vraiment, vraiment bien. Parfait. Impeccable. Ok, nickel. Parfait. Donc ça c'est bon. Pour ce côté-là du coup du ponton. Maintenant ce qu'on va faire, on va déjà aller dormir pour éviter que ça spawn. Peut pas encore, trop tôt. Bon, ça va pas tarder, je pense. Voilà.
Parfait. Ok, et donc là du coup on va aller prendre le sable et on va vraiment essayer de le poser en fait à 3 de décalage sur le ponton pour que ça fasse vraiment le chemin tranquille quoi. Enfin le chemin de manière jolie. Alors juste ici, on fera la jonction avec la maison plus tard. Et voilà, là pour l'instant, on va tout creuser. On va poser la sandstone, enfin les dalles. Juste là pour être tranquille. Il me saoule le klebs, ça a bruit depuis tout à l'heure. Tac, voilà. Ça c'est bon. Là maintenant du coup on fait la même chose. On alterne entre qu'est-ce que je peux dégager? Voilà. Entre le bloc de dalle et le bloc d'escalier. Parfait. En trop. Voilà, parfait. Et là, du coup, comme ça, on va vraiment poser. Alors, là, du coup, question, est-ce que je laisse? Parce que là, du coup, le ponton va être surélevé de 1. Je vais pas forcément mettre, bien sûr, le chemin surélevé de 1, sinon ça va pas faire propre. Donc là, vraiment, en fait, ce qu'on va faire, on va essayer de poser sur tout le long. On va poser, du coup, bah, la sandstone en dessous. Enfin, sur la couche. Ah, alors, ça va être chiant avec l'eau. Voilà, super. Voilà, comme ça reste en fait, on va dire, égal partout. Et surtout, ça va pas nous bloquer après derrière pour reconstruire autre chose. Enfin, voilà, c'est important. D'accord, super. Bloc qui bug, génial. Voilà, super. Donc là, on va vraiment reposer. En fait, toujours 3 blocs. Toujours 3 blocs de large. Tout le temps. Voilà, nickel. Là, du coup, faut que je pose ça comme ça. Alors, du coup, je sais plus. Ouais, ça peut faire un peu limité. Hein, comme... Bah, j'irai bien avec le bois. Je vais quand même. On va quand même faire une jonction comme celle-ci pour que ce soit vraiment le plus agréable possible. Même si ça décale de 1 le bloc, c'est pas grave. Sinon, visuellement, ça va pas rendre. Ça va pas rendre terrible. Voilà, nickel. Donc là, comme ça, on a déjà une première petite bordure. Ce qu'on va avoir besoin par contre, c'est bah, la même chose qu'au-dessus. Non, ça n'a pas été mis au-dessus. En fait, c'est des dalles tout simplement pour faire la délimitation et la fin du chemin, tout simplement. Ça, je vais dégager. Tac, on va vraiment refaire l'approche pour que ça fasse moins bloc en fait, enfin moins mur. Voilà, comme ça, on a clairement aussi plus de place. Super, nickel, impec. Impec, allez, super. Donc là maintenant, on va aller chercher la stone qu'on va poser. La stone, la stone, la stone. Alors, est-ce que j'en ai? C'est ça la question aussi. Et j'ai plus beaucoup de bouffe d'ailleurs, il va falloir que j'en refasse. Eh ben, j'ai pas non plus énormément de stone. Eh ben ouais, parce que j'ai du toucher de soie. Non. J'ai rien. J'ai plus rien en stone? Non. Ah si, voilà. J'ai quelques trucs ici. Enfin, j'en ai pas non plus des masses. Hein.
Ben non, mais j'ai même rien en fait. Juste ça, mais ça va pas suffire. Bon. Eh ben, faut que j'aille en récupérer un petit peu. Faut que j'aille en récupérer un petit peu. Donc, on va aller se mettre. Faut aussi que je fasse ce côté-là, parce que c'est vraiment pas propre. C'est vraiment pas beau du tout ici. On va aller ramasser un pot de cobble, c'est pas grave. Avec le toucher de soie, on est bien. Tac, voilà, on va se mettre par là. C'est quoi, c'est de la cobble ce que je ramasse ou pas? Ouais, c'est bon, pas de la roche. On profite clairement du toucher de soie pour, bah voilà, pour tout récupérer en roche. En première roche, comme ça fait une cuisson de moins pour les transformer après derrière en stone. Ça, c'est l'avantage de toucher de soie. On a combien? Un sac et demi. Ça devrait déjà être pas mal pour l'instant. Je vais déjà les mettre ça à cuire. Comme ça, on en récup déjà. Merde, celle-là, la sortie. Ouais. Voilà, super. On va mettre ça là-dedans. J'ai pas. Putain, j'ai plus grand chose, hein. J'ai plus grand chose. Ok, allez, comme ça, du coup, tout ça, ça cuit, ça fond. On attend. Comme ça, prend derrière, on pourra poser la pierre. La stone, enfin la dalle en pierre justement, correctement. Ouais, c'est bon comme ça. Là on est à quoi? On est à 3, pourquoi il y en a un de trop ici? Ouais, je vais rééquilibrer ça. Voilà, du coup là on va clairement casser tout le reste ici pour poser tout ce qui va être stone. Ouais, ça me paraît bien ici comme ça, on pose la stone directement. Sur tout le long. Oh, ça pourrait être cool. Je pense que ça va plutôt moins. Ça va plutôt bien rendre quand même. Et après, il faudra vraiment que je fasse du coup un autre chemin. Je pense un chemin directos comme ça qui emmène vers les enclos. Après les enclos, peut-être que je les déplace, peut-être que j'en fasse d'autres. Vu que là, vraiment, on a assez dégagé de bois. Je vais même en faire d'autres. Ouais, je vais en faire d'autres. Et comme ça fera du coup un accès aussi. Ouais, ça peut être cool. Ça va vraiment être cool. Je vais déjà faire un chemin du coup qui emmène sur tout le long. Donc on va se mettre pile symétrique à 3 du coup à l'arrivée. Donc 1, 2, 3 ici. On va pas trop non plus. Hop, voilà. Voilà, hop. Comme ça on a déjà ça de posé. Je vais aller poser toutes les dalles. Alors pareil à mon avis on n'aura pas assez. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave pour l'instant. On va vraiment clairement tout poser et puis on avisera après. Ah, il me manque un peu. Je vais regarder si j'ai pas encore du sable qui traîne dans les coffres. Tout cas, la pelle elle est cool. Avec la pelle efficacité 5, là, clairement, ça nous fait une petite tondeuse. Alors, elle est pas forcément très 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 solide parce qu'il faudra mettre du mending pour éviter qu'elle se casse. Mais en attendant, pour faire les aménagements. Franchement, c'est cool. Donc, ça cuit. Parfait, on va laisser cuire ça. En minerai, je regarde juste ce que j'ai. J'ai plus énormément plus de charbon. Enfin, je retourne miner, je pense. Même en diamant, ça a bien baissé. Il nous reste plus qu'un stack et demi. Alors, c'est déjà pas mal, mais bon. Ça a bien baissé quand même. Qu'est-ce que je voulais regarder si j'avais du sable? Si j'avais du sable, ben, j'ai quasiment plus rien non plus. Ok, alors là du coup maintenant ce qu'on va faire, ça c'est quoi pierre? On va bosser des pierres blocs de toute façon.
Enfin, que je refasse de toute manière tout. Parlons là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du coup une shulker box et on va aller la remplir de sable pour qu'on soit vraiment tranquille. On va les remplir tout de sable. Donc à côté, là, il y a le désert. Alors je voulais pas trop toucher ici parce que forcément, sinon, ça va tout dénaturer. Mais on va essayer de se tourner un petit peu. On fera quelque chose qui cachera. On s'en fout. Attendez, je vais quand même aller dormir. Sinon, on va se faire, sinon, on va se faire casser en 8. Voilà. Parfait. Ça, on fait un petit dodo. Nickel. Tac. On va faire ça comme ça, comme ça. Juste ici, et on va aller chercher le sable en attendant que la stone cuise. Alors, de toute façon, on a vu qu'on sort du chunks, à mon avis, ça va se couper, mais enfin, bon, bref, c'est pas grave. Voici, c'était ici que j'avais fait, mais bon, il faut vraiment que je laisse ça naturellement. Comme ça, c'est de la nature pas trop. Si je retire juste les couches au-dessus, ça devrait aller, je pense. Ouais, il y a quand même déjà de quoi faire hein, pour le sable. On est à combien? On est déjà. Ouais. Franchement, c'est plutôt pas mal quand même. Le sable, c'est quand même assez rapide à avoir. On est vraiment en train de tout casser ici. Le portail, j'aurais pas dû le foutre dans le sable, j'aurais dû le décaler un bloc à côté là. On pourra plus y avoir accès. Bon, on fera une passerelle, hein, c'est pas très grave, mais. Bah, je pense qu'ici on est vraiment pas mal hein, pour avoir notre sable, clairement, il y a vraiment de quoi faire. Parce que comme c'est bordure de plage, ça donne vraiment une sacrée épaisseur. Attendez, je ramasse plus là. Alors, tac. Je ramasse plus, et depuis tout à l'heure je casse, mais je ramasse plus rien. Je fasse gaffe. Hop. Ok, là je pense que du coup j'ai tout ramassé sur ce que je ramassais plus. À mon avis, on est vraiment pas loin. Ok. On va aller casser cette motte de sable ici. Et je pense que c'est vraiment déjà pas mal ce qu'on a ramassé. Oh, je pense qu'à mon avis, on est déjà très bien. En plus ça va parce que du coup ça reste vraiment naturel donc voilà clairement on n'est pas trop bloqué par ça quoi. Et puis la shulker box c'est vraiment Patrick c'est vraiment pratique parce que bah, du coup ça prend pas de place dans l'inventaire et puis on peut la poser dehors enfin bref ça fait vraiment une shulker box build donc ça c'est vraiment pas mal. Sinon pire je mettrais des cannes à sucre hein, pour que ça fasse un mur naturel pour tout bloquer mais bon. Ok. Allez hop, maintenant on va tout transformer.
Ok. Ouais, ça nous fait déjà pas mal de. Avec vraiment tout le sable qu'on a ramassé, on est déjà très très bien pour faire tous les chemins déjà. Hein. C'est vraiment la stone qui va être chiante à avoir, mais. Enfin, qui va être chiante, il va falloir vraiment continuer à farm un peu, mais. Clairement, ça va aller. Hein. Et voilà, comme ça, du coup, on a connecté tout le reste. Voilà, là nous-mêmes ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment tout entourer de sandstone. Ça fait vraiment une circulation entre les enclos. Voilà. Voilà. Ok, nickel. Voilà, donc là, ça fait vraiment déjà un petit contour de fait. On va faire ce côté-là et ensuite, maintenant, on pose la stone pour valider les chemins. Voilà, parfait. Allez, bon, on va chercher la stone pour valider tout ça. Ah, c'est pas tout fini. Ouais, c'est bon. Nickel, ok. Je vais juste reposer le sable en haut. Tac. Voilà, pour l'instant, après pour les escaliers, on verra ce qu'on fait. J'ai vraiment posé sur tout le contour. Faire tout le tour déjà. Voilà. Parfait, nickel. Voilà, comme ça on a clairement déjà quelque chose de fait. Et là, du coup, on va faire comme ça. Et en fait, on monte de deux. Et on étale, voilà, comme ça fait pff, quelque chose de fluide, mais ça fait pas beau. Ça ne fait pas beau. Attendez, comment je peux faire? En fait, c'est le bloc d'escalier qui est pas fou. Là, du coup, ça fait vraiment l'escalier qui déborde. Ça fait pas propre. Ouais, sinon j'ai pas le choix. Hein. Je sais pas, ça fait bizarre là ici. Ça fait trop mur. Bon, après, ceci dit, ça fait escalier. Donc, bon, écoutez, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et là, maintenant, on va faire rejoindre la terre qu'on a cassée. Voilà, juste ici. On va éteindre un peu. Ça passe un peu moins agressif. Voilà. Ok, bon, parfait. Et après, c'est surtout sur le dessus. Ça, du coup, il faudra qu'on décale, on verra bien ce qu'on fait. Ok. Donc, ce premier ponton, ce premier, premier endroit, du coup, est fait. On va aller chercher le bois et maintenant, on va aller vraiment faire un espèce de quai de partout, sur toute la longueur. Après, on regardera avec les shaders ce qu'on comment ça rend et puis les blocs, du coup, qu'on pourra utiliser pour ça. Ok, donc là c'était tous les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 de vide et ça, on pose sur le 6ème. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Et on pose sur le 6ème. Donc juste ici, faut que je descende. Voilà. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, 1, 2, 3, 4, 5, on pose sur le sixième. Parfait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Nickel, super.
Et là, pour l'instant, sur ce côté-là, si on va quand même verrouiller, 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ok, comme ça, du coup, c'est verrouillé. Ce côté-là, on le fera après quand on aura totalement fini. Par contre, ici, il faut que je retire les feuilles pour y aller, ça. Voilà. Super. On est vraiment pas mal. Franchement, on est vraiment pas mal juste ici. Je vais aller poser la sandstone pour faire tout le tour. Après, là, je vais déjà juste verrouiller le ponton. Alors, pour faire le ponton, du coup, pour qu'on fasse rejoindre vraiment les bûches qu'on vient de poser, il faut qu'on aille chercher du coup la stone, enfin la cobble claire là. Je peux monter ou pas? Ouais, on peut monter, parfait. On va aller chercher du coup la cobble claire et qu'on va venir étaler en fait sur toute la longueur. Je vais aussi dormir. Alors, on va déjà prendre la cobble. Où est-ce qu'elle est? Bon, ça va, ça pour le coup, on a vraiment des blocs suffisants. Parce que ça, de toute façon, ça, on les obtient vraiment en farmant. Donc, clairement. Ça va aller. Voilà, on fait un petit dodo. Tac. Pour la terre, je sais pas si ça fait vraiment de la déco, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est bon. Ok. Là, on est bon. Qu'est-ce qu'on va avoir? Mais je me souviens plus, j'ai posé des ardoises. Ou c'est de la pierre que j'avais posée? Non, c'est bon, c'est de la pierre. Ouais, c'est de la pierre, ok. Allez, donc là maintenant, on va les transformer ça en escalier et en dalle. Tac. Parfait, j'ai trop de... J'ai plus de place du tout dans l'inventaire, la canapé, je s'en fous. Alors maintenant, comment j'avais fait? J'ai posé du coup les escaliers collés à la cobble, collés à la cobble, collés à la bûche, pardon. Alors là, vu que forcément ça descend, faut qu'on fasse un truc comme ça, et qu'on fasse descendre ça progressivement. Donc à 1 égale. C'est chiant avec l'eau. Trop le bordel. Remonte. Ok. Là, du coup, faut que je pose le bloc d'escalier, mais dans ce sens-là, du coup. Ouais, mais non, ça fait pas beau là. Bah, faut que je pose ça comme ça, hein. J'ai pas le choix. Toute façon, ouais, je vais pas avoir spécialement le choix. En fait, ça me saoule parce que j'arrive pas à le poser correctement. J'ai pas de la terre ici. En fait, faudrait que je le pose comme ça, et que le reste descende en dessous. Voilà. Ça fait pas terrible comme ça. Ça fait un peu épais quand même. Juste j'en pose un là. Eh ben nickel. Nickel. Eh mais normalement ça fait pas. Ouais mais non, ça fait pas du tout. Ça fait pas bien du tout. Ok, faut que je le baisse de 1 alors peut-être. Voilà. Et là, ouais, j'ai pas trop le choix, hein. Le problème, c'est qu'après, ça se voit en fait ici. Ok. Ah si, bah regardez, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Je vais poser un escalier comme ça en dessous. Voilà. Là, on rejoint comme ça.
Ah, ça fait bien du coup, mais peut-être un peu trop. Voilà, parfait. Ok, je pense que j'ai à peu près trouvé le truc. Bon, c'est un peu à voir du coup si je peux pas améliorer la chose, mais bon, clairement, un peu délicat quoi. Un peu délicat. Ok, parfait. Allez, on retire toute la terre et on ramasse ce qu'on a fait tomber. On va appliquer ça à tout le reste. Bon, bah là, du coup, clairement plus simple. Hop. Donc là, vraiment juste dans l'autre sens. Avec l'eau, c'est affreux à mettre. En fait, là, du coup, faut que juste. Ah putain, mais on peut pas. Mais vu que c'est une dalle, c'est galère. En fait, je vais juste mettre une dalle. Bon, ouais, regardez. Tout simplement, comme ça, et je pose juste l'escalier en premier. Je vais poser comme ça, en fait. Hein. Je vais juste pas m'embêter. Je vais juste poser une dalle à chaque fois et ouais, terminé. On va pas se prendre la tête. Voilà. Parfait. Nickel, ok. Voilà, comme ça du coup, d'un point de vue intérieur, on a déjà notre premier ponton. Et je vais juste casser ça juste là. Je sais pas si je laisse dépasser. Et je vais mettre justement ces blocs-là à la place. Ou juste peut-être même poser juste simplement des torches dessus. Enfin des torches ou des lanternes. Bon écoutez, pour l'instant je vais déjà poser ça. Et j'aménagerai en fonction de s'il y a besoin ou pas. Mais ouais, il faudrait que j'éclaire quand même. Parce que d'un point de vue extérieur, ça ferait peut-être un peu mieux. Ok, parfait. Donc ça c'est posé. Maintenant qu'on a fini le ponton, il faut vraiment maintenant qu'on pose. Le mur. Et du coup, je suis en train de me dire que si je pose un petit muret ici pour éviter que ça se voit, je pourrais justement baisser le bois ici pour que ça fasse comme sur le ponton. Ouais, ça va être possible. Ok. Bon, écoutez, pour l'instant, je vais déjà faire le mur et puis j'abaisserai après demain le bois. Donc pour faire le mur, maintenant, maintenant, clairement falloir trouver où je mets de la brique en dessous ou je sais pas vraiment ce que je fais. Où je mets de la brique. Bricoler, qu'est-ce qu'on peut avoir en ponton? Attends, je vais voir un petit peu ce que j'ai sur d'autres maps. Est-ce que j'ai au moins? Qu'est-ce que je peux avoir en exemple? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'est pas à moi ça. J'étais en train de regarder, c'est pas à ces serveurs là, mais il est fermé. Je vais voir là-dessus, mais à mon avis, je pense qu'il n'y a pas du tout de ponton de fait là-dessus, ça m'étonnerait. Ça date un peu trop. Waouh, le temps que ça arrive dessus. Salut Oslo du 81, bienvenue sur le live. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur la chaîne Twitch. Sois le bienvenu. Installe-toi confortablement. Est-ce que tu viens peut-être du coup de la chaîne YouTube et tu es venu du coup sur Twitch? Ou pas forcément? Ou est-ce que tu découvres tout simplement juste la chaîne Twitch via le parcourir ou Twitch tout simplement? À toi de me dire. En tout cas, sois le bienvenu. Ouais, tu viens de YouTube. Ok, nickel, parfait. Bah écoute, sois le bienvenu. Installe-toi confortablement. On est sur Minecraft en 1.18. T'as dû voir la vidéo, je pense, peut-être? Ouais non allez ça c'est de la merde. Allez je dégage, je retourne en solo. Je vais me trouver un ponton moi-même. Donc voilà, installe-toi confortablement, on est sur Minecraft en 1.18 en vanilla. Il y aura de sur YouTube posé et surtout maintenant les lives se font directement sur Twitch. Ok. Alors, bah tiens, regarde, sois le bienvenu. Dis-moi un petit peu ce que tu pourrais me conseiller en bloc pour fermer ça en fait, pour faire les murs là comme ça. Dis-moi un petit peu où de la brique? La brique, ça peut être pas mal si je mets ça dans le fond. Voilà, dis-moi un petit peu ce que t'en penses. Et je pense que même les dalles, d'ailleurs, je vais les remplacer. Je vais mettre que des escaliers de partout, sinon on va voir le bois en dessous. Enfin bref, voilà. N'hésite pas vraiment à me dire ce que t'en penses.
Mais je pense que je vais essayer avec de la brique. Aucune idée. Merci! Merci, mec! C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais essayer avec la brique. Si j'en ai. J'en ai un petit peu. Allez, c'est parti. On va aller ramasser de l'argile alors. Ça fera un petit peu autre chose. On va aller ramasser de l'argile. Alors, on va aller se mettre sur une rivière, mais de l'autre côté. Pareil pour pas faire de trou ici. En tout cas, ça va déjà plutôt pas mal avec le ponton. Il faut clairement qu'on améliore le truc, hein, qu'on mette les blocs de briques justement en dessous, mais c'est vraiment pas mal. Franchement, avec le ponton, c'est cool. Je suis extrêmement nul en déco. Mais c'est pas grave, mec, t'inquiète, je te taquine. C'est pas grave. C'est pas grave. On va aller chercher de l'argile dans une rivière qui est juste à côté. Ça, on va vraiment essayer, mais je pense que j'ai posé de la brique. Et la brique, c'est clairement un bloc que j'utilise plus du tout, mais qui peut être pas mal justement quand vous marrez avec de l'eau. Ça fait vraiment des vrais murs. Maison en brique, c'est nul, hein, mais on peut vraiment s'en servir pour faire des vrais murs. Donc, c'est ça qui est cool. Regardez, je pourrais même ramener comment on dit, un truc pour les abeilles, là, avec le toucher de soie. Voilà, on va se mettre vraiment de ce côté-là. Hop. On ramasse ça. Nickel. Ça c'est bon. Qu'est-ce que moi j'en ai 4, 4 et demi, ça fait quoi? Donc ça fait 4 et demi. Ouais, ça fait même pas encore un stack, hein, pour l'instant. Ça fait même pas encore un stack. Il va nous en falloir un peu plus. Hop, nickel. Je vais pas non plus trop m'approcher de la maison pour pas que ça dénature, comme je l'ai dit. Ok, parfait. Allez, on va aller dormir. Et ensuite, on va aller retourner chercher un petit peu d'argile. On va déjà mettre ça à fondre. Enfin, à cuire, à fondre en attendant. Parce que c'est déjà pas mal ce qu'on a ramassé. Et ça va déjà nous donner aussi une belle petite idée par rapport au mur. Pour voir si la brique est bien ou pas. On a une maison de PNJ qui est totalement vidée, hein, qui est totalement vide, abandonnée. Va falloir aussi qu'on l'habille. Allez, go, dodo. Tac, allez go, on va mettre ça à fondre du coup. Alors c'est bien, ça nous refait un peu de dalle. Ça c'est pas mal. Je vais remettre le dernier stack de charbon. Putain, on a vraiment plus rien. Faut vraiment qu'on reparte miner. Ou alors qu'on fasse une usine à lave. Pour vraiment avoir tout de manière assez limitée. J'ai pas d'autre. J'ai un four en haut. Il faut vraiment qu'on se fasse une salle de cuisson. Enfin là, faut vraiment qu'on. Voilà, de toute façon, nous, on va finir un petit peu la déco et. Et vraiment, prochain projet, c'est salle des coffres, salle de cuisson. Enfin, faut vraiment voilà, on s'y mette, quoi. Parce que sinon, c'est assez lent. Je vais aller poser les dalles de stone et les dalles de sable aussi. C'est quoi une usine à lave? Ah, tu connais pas? Eh ben, en gros, usine à lave, c'est avec les. Tu sais, depuis l'1.18, avec les nouvelles cavernes, t'as des. Comment ça s'appelle? Les stalactites, là. Tu sais, c'est des blocs de stalactites.
Et en fait, si tu mets une source de lave ou d'eau au-dessus, ça va faire goûter en fait ton eau, ta lave. Et justement, ça va, tu mets un chaudron en dessous, et à force de faire goûter ta lave ou ton eau, ça va générer automatiquement, ça va remplir le chaudron. Donc toi, t'as plus qu'à passer avec tes seaux pour ramasser la lave ou ton eau en fait. Alors bon, usine à eau, ça sert à rien parce que tu as toujours la source d'eau infinie, donc clairement c'est plus une perte de temps ou juste de la déco. Par contre, usine à lave, c'est vraiment bien parce que bah, la lave, alors si on faut aller dans le Nether, hein, t'en as tout le temps. Mais bon, ça donne vraiment quelque chose déjà qui est plus accessible. Et enfin, vraiment, l'usine à lave est vraiment pas mal. Et puis, bah, du coup, pour tes fours, toi, ça donne vraiment une cuisson illimitée. Et surtout, t'es pas là tout le temps à remettre du charbon dedans, en fait. Donc, non, vraiment, l'usine à lave, je te conseille de la faire. C'est vraiment pas mal. J'en ferai peut-être. Enfin, j'allais dire, je ferai peut-être un tuto justement pour faire une ferme à lave. Enfin, une ferme à lave. Mais il y a déjà plein de vidéos, je pense, sur YouTube qui le montrent. Donc, voilà. À voir si il y a beaucoup de personnes qui me demandent. Mais bon, en soi. Je pense que ce sera quand même mieux expliqué justement sur les autres quoi. Sur chacun. C'est pour ça. Hop. Pas assez, je vais rechercher le reste, mais bon, en tout cas, déjà, voilà, ça nous permet déjà de poser un petit peu tout le reste. Ça, c'est bon. On va poser la sandstone. J'ai déjà posé, ouais, j'en ai pas des masses, c'est pas grave. De toute façon, c'était pas la priorité. En attendant, l'argile a dû cuire un petit peu. Vite fait, hein. Ça a cuit, mais très vite fait. Voilà. Bah, 12 blocs. Ouah, ça va être nul, hein. Ça va être long à faire, hein. Ok. Donc là, du coup, je vais retirer toute la terre sur cette première couche pour mettre là, pour mettre la brique, pardon. Je pense que ça peut rendre vraiment bien. Par contre, faut que je retire juste le bois au-dessus, en fait. Faut que je retire le bois au-dessus. Donc pour ça, en fait, il faudra vraiment que je mette que des escaliers de cette stone-là, en fait, dessus. C'est clairement ce qu'il faut que je fasse. Bon, pour le coup, ça c'est bon. Donc ce qu'on va faire, en attendant, on va reprendre nos escaliers de pierre. Des abîmes. On va tout simplement tous les aligner dessus. Tac. Voilà, logiquement, déjà sur tout ce côté. Tac, par contre, je vais vraiment tout aligner correctement. Voilà, en fait, on va juste faire des escaliers comme ça. Je me suis pris la tête tout à l'heure, mais pour rien. Voilà, et le reste, comme ça, on pose vraiment de la brique de partout sur le sol à ce niveau-là. Tac, voilà. Voilà, comme ça, j'ai juste à poser vraiment la brique juste en dessous, et puis clairement, comme ça va décoller plus facilement. Enfin, ça va être clairement plus facile à faire. Ok, bah nickel. Bon, bah parfait. Au moins, on a trouvé déjà comment habiller le truc. Donc, bon, voilà, clairement, après, il va falloir tout habiller. Tout remplir vraiment avec la lave, les escaliers, etc. Donc là, pour l'instant, on sait quoi faire. Voilà, pour l'instant, on sait quoi faire.
Mais attendez, j'en avais d'autres aussi. Bon, de toute façon, le reste a cuit. Tac, on va juste. En fait, je vais tout casser, tout remettre. Comme ça, on est vraiment tranquille. Bon, ceci dit, il y a quasi. Il y a trois fois rien à faire. Voilà, ok. Donc là, maintenant, je vais me remettre en dessous. Ah, par contre, faut que je repose. Ça, c'est chiant, par contre, quand ça se met pas naturellement. Avec les courants d'eau. Voilà, nickel, parfait. Ça, c'est bon. Sur ce côté-là. Ça, c'est pareil. Ah, si, moi aussi, hein. Je cherche. Je mets pas ça correctement. Enfin, dans le bon sens plutôt. Voilà. Tac. 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 J'ai posé ça dans le mauvais sens. Oh, c'est pas possible. Voilà, super, ok. Donc ce côté-là c'est fait, il nous reste ce côté-là. Voilà, parfait, nickel. Ok, et ben là franchement on est plutôt pas mal. Franchement on est vraiment plutôt pas mal. Ça c'est bon. Ok, bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et là du coup on va recasser ça. Bon au final on aura quand même bien trouvé pour le ponton, c'est cool. Franchement, c'est la première fois en plus que j'utilise des blocs comme ça, donc vraiment à expérimenter. Là, alors là, même, là par contre ça va être chaud quand même. Non, en fait pas tant que ça. Et j'ai juste à poser les escaliers dessus. Voilà. Impeccable. Comme ça fait vrai ponton. Là, pour l'instant, je laisse en dalle. On verra si je remets aussi des escaliers. On va voir vraiment ce qu'on peut faire. De toute manière, je vais descendre le bois en fait en dessous, sur la couche du dessous. Donc bon, en soi, voilà, pas de crainte, pas d'inquiétude dessus. Ok, je vais déposer la brique qui a cuit. Tac, je vais remettre de toute façon à faire fondre. Ça donne quand même très très peu de blocs et c'est chiant à faire la brique. Hein. En survie, c'est quand même assez chiant à faire. Oh, merci le dauphin, c'est cool. Ah, il me manque un bloc, mais c'est pas grave, au moins le mur est pas mal. Dis-moi ce que t'en penses du coup, Oslo, si t'es toujours là. Dis-moi ce que t'en penses avec la brique de poser comme ça. Pareil, on fera vraiment des lumières. Enfin, on mettra vraiment ce qu'il faut pour éclairer, hein, correctement, bien sûr. Mais voilà, dis-moi un petit peu ce que t'en penses, mais je pense que ça rend plutôt bien. Donc, à mettre vraiment de la brique sur tout le long, je vais aller chercher de l'argile au max. Et voilà, clairement, dis-moi vraiment ce que t'en penses, mais ça peut vraiment rendre propre. Hop, allez go, pendant que ça cuit, on va aller dormir et on va ensuite aller rechercher vraiment de l'argile. Laisse-moi dormir. Voilà. Ok, nickel. Ça c'est bon. Ok, allez, go, on va chercher de l'argile là-bas. Alors, après avoir plus d'argile aussi, on peut aussi y aller avec une pelle fortune. L'avantage de la pelle fortune, c'est pareil, dès que vous cassez de l'argile, ça va se multiplier par 3 ou 4. C'est l'avantage de la fortune, après, faut l'avoir quoi. Faut l'avoir dans l'enchantement quoi.
Ok. Donc ça c'est bon. On va ramasser l'argile juste ici. Place déjà, ok, très bien. Parfait. Et parfait, nickel. Ok. Allez go, maintenant on va aller refaire fondre l'argile. Et de toute façon, je vais essayer de mettre des fours. Attendez, je vais quand même mettre des fours dehors parce que c'est vraiment pas fou. La cuisson est vraiment beaucoup trop lente. Problème, c'est que j'ai très très peu de cobble en fait, c'est ça qui est chiant. Je vais en refaire deux au moins. Ah bah attendez, j'avais oublié qu'il y en avait là. Je vais le descendre aussi d'ailleurs celui-là. Je vais le mettre là. Allez, cuit! Fond! J'ai plus de charbon! J'ai plus aucun charbon! Ok. Tu n'auras pas porté chance à Gasly avec ta casquette AlphaTauri. Bah écoute. C'est fini là la F1 du coup? Ok. Bon, ça cuit déjà un petit peu plus avec les trois fours à l'extérieur. Plus ces deux-là du coup en intérieur qui carburent aussi. Ça cuit un peu plus, on va vraiment tout blindé. Pour essayer vraiment d'en récupérer le plus possible. Il a brûlé son moteur. Ah ouais, ça c'est compliqué. Après, c'est vrai que ça marche un peu moins bien. J'adore ton message, Gab. Et au début, j'ai cru que c'était vraiment un viewer. Quel embrouille de l'eau pour ça. Je fais... Ah C'est bon, tout va bien. Bon, du coup, les gars, vous êtes chaud ce soir pour du Sea of Thieves ou pas en live? Parce que moi, je suis chaud. Vers 20h30, 21h au pire. Si vous êtes chaud. Bon, pour l'instant, je laisse ça. Je ferai quand j'aurai vraiment plus de briques. J'en mettrai vraiment sur la couche initiale, sur la couche en bas. Ah bah parfait, parfait, parfait. Impeccable. Parfait mon dodo si... bah parfait. Parfait, parfait. Si vous êtes chaud. Ça fait vraiment un autre jeu. Moi je vais redécouvrir un petit peu Sea of Thieves et ça va être cool. Ça va être cool.
Vers 20h30, 21h, un truc comme ça. Hop, ok. On mettra au cachot comme ça. On mettra dodo au cachot comme ça, exactement. Exactement. Bon bah du coup les amis, pour ceux qui sont sur live, du coup justement, bah si ce soir vous êtes intéressés, sachez qu'il y aura du Sea of Thieves à partir de 21h. En compagnie de mes deux zigotos, en compagnie de Dodo et de Gab, qui sont les deux modos justement de cette chaîne. Donc voilà, vraiment 21h du Sea of Thieves. Venez, ça va être, je pense qu'on va bien rigoler. Ça m'étonnerait qu'on ne rigole pas en tout cas, avec ces deux guignols, on ne peut que rigoler. Donc non voilà, vraiment. Ça va être, je pense que ça va vraiment être sympa. Ok, ça c'est bon. Sur ce côté-là. Voilà. Bah parfait, au final on aura quand même, mine de rien, on aura quand même bien avancé avec la brique. Juste là, je vais reboucher un peu cet endroit qui fait vraiment très très moche. Alors attendez, là du coup je fais comment? Eh ouais, là apparemment je peux pas. Bon attendez, je vais gruger. Je vais gruger comme d'habitude. Comment je vais faire? Le problème c'est que si je le pose là, ça va. Ça fait moche. Ah ben non, mais par contre du coup. Ah ouais, mais attendez, regardez, je vais poser la dalle. Je vais poser une dalle ici. En fait, je vais casser le. Je vais remonter juste de 1 l'épaisseur. Ça va vraiment pas choquer, même de l'intérieur. Et au moins ça permettra de poser la brique en dessous. Tac, voilà. J'avais au final un stack de briques ici. Bon, faut vraiment par contre que je retourne miner. Hein. Prochaine étape, c'est clairement du minage pour récupérer un maximum de charbon qui nous manque. Qui va nous manquer vraiment cruellement. Voilà, par contre, du coup, ça va décaler ici de 1. Et je vais pas pouvoir monter la dalle, sinon ça va être trop moche. Alors attendez. Je vais la laisser là comme ça pour l'instant. Dès que je trouve, on verra bien si ça choque ou pas. Ça, dès que je trouve, on corrigera ça. Ok. Parfait. Donc là, du coup, là, je fais pas du tout ici parce que du coup, je baisserai tout simplement le bois de 1. Donc voilà. On est plus que toi, tu vas rien faire du tout en plus. Et vachement stock. Bah ouais mec. Bien sûr que je suis stock. Les mutins sont pendus. De quoi t'as marqué quoi? Les mutins sont pendus. Oh ils courent. Ok putain j'arrive pas, j'arrivais pas à lire. Plus j'étais en train de me dominer sur le jeu. Bien sûr que je suis trop stock, il va rien pouvoir. Tu vas rien pouvoir faire dodo. Ok, bon bah écoutez, bah ça du coup c'est fait. Pour le ponton c'est fait. Il va me rester du coup de la brique, du coup je vais réétendre de 4, enfin le quatrième bloc en dessous de chaque mur qu'on a posé. Comme ça va faire assez complet, logiquement. Par contre, ouais, clairement plus de charbon du tout. Hein. Hop, on va aider un peu par ici. Reposer un peu. Ok, avec les 31 blocs, ça devrait suffire. Ok, ça c'est bon. Ok. Non, mais attendez, il y avait déjà 4 en fait. Ouais, j'ai même posé plus bas que prévu. Bon, c'est pas grave. Je fais au moins le tour, comme ça on est sûr que ce soit bon de partout. Et là, par contre, là, c'est que 2-3. Alors. Ouais, là, on va reposer. En fait, là où il n'y a pas de terre ou autre, vraiment, on va poser ça, comme ça on est vraiment tranquille.
Ah oui, putain, il me reste encore ce mur-là à faire. Je l'avais oublié celui-là. Non, il va m'en manquer un. Il manque un bloc. Je vais dormir vite avant que ça spawn. Faut aussi qu'on finisse la déco de la maison d'ailleurs. Ok, et là du coup, avec les blocs fondus restants, on a fini plus ou moins déjà la partie technique, la partie physique du ponton. Après, bien sûr, il faudra qu'on travaille sur de l'éclairage, peut-être mettre des barrières en haut, je ne sais pas, on verra bien. Ouais, je vais quand même en mettre là aussi. Juste un pour dire qu'on a vraiment mis le muret par, enfin le mur complètement. Ok les amis, bah écoutez, on va se laisser là du coup pour ce live. On va se laisser là, on a fait 1h10 ensemble. Live de reprise, premier live sur YouTube, sur Twitch du coup. Enfin, premier live Minecraft, pardon, la série YouTube sur Twitch. Donc on va se laisser là du coup les amis pour ce premier live. Merci à tous en tout cas d'avoir été présents. Merci à mes deux modos chéris d'avoir été là. Et puis bah, merci à Oslo du coup qui nous a rejoints. Qui a rejoint du coup depuis YouTube, qui a rejoint Twitch, donc c'est grave cool. Donc voilà, vraiment merci à vous d'avoir été présents. Et puis bah écoutez, on se donne rendez-vous de toute façon très vite pour un prochain live sur Minecraft. Et ce soir, du coup, vraiment, je vous donne rendez-vous vers 21h à peu près pour tout simplement du Sea of Thieves. Pour du Sea of Thieves, et du coup, ce sera avec mes deux modos chéris. Vraiment, venez, franchement, si vous voulez rigoler, ça va vraiment être cool, je pense. Donc, non, vraiment, je pense qu'il y a vraiment moyen de rigoler. Bref, j'en dis pas plus. Allez, à plus, les amis, prenez soin de vous, et de toute façon, il y aura la rediff de diffuser sur la chaîne YouTube. Voilà, salut à tous.